Comme vous le savez tous, à cause de la crise du coronavirus, de nombreux étudiants n'ont plus les moyens de s'alimenter aujourd'hui. À notre niveau, chez Human Appeal, on a essayé de les aider du mieux qu'on peut en leur fournissant des denrées alimentaires. Des distributions de colis alimentaires, de packs de survie d'étudiants, plein de choses parce qu'on part du constat que la situation étudiantine en France depuis le Covid s'est aggravée. Et on a beaucoup de témoignages d'étudiants qui nous disent qu'ils vivent dans une situation de précarité et qui n'est pas vivable. Donc on essaie de faire un maximum de ce genre de distribution pour pouvoir pallier à ce problème et aider les étudiants au maximum. Heureusement, j'ai tout de même un petit peu d'aide avec les distris, avec la solidarité qu'il y a eu. Ça allait un peu mieux, mais c'est vrai qu'avec le confinement, déjà la situation mentalement c'est différent. On a une surcharge de travail personnellement de notre université, donc c'était un peu plus compliqué. Actually, I read it in a WhatsApp group. A friend just texted there's a distribution of food today, and I came here because the financial situation is due to COVID a bit more complicated because I can't work. Usually, I work in restaurants or something like this, and right now it's hard to do it. Alors en fait, des distributions de colis alimentaires, de repas en résidence, etc. Et pour nous, c'est très important, surtout maintenant avec le Covid, parce que la situation des étudiants en général s'est dégradée, notamment les étudiants qui travaillaient, qui ont perdu leur travail, les étudiants étrangers, etc. Et on voit au fil des distributions que l'on fait qu'on a de plus en plus de personnes, de plus en plus de demandes, et des personnes qui sont en situation complètement précaire. Donc pour nous, c'est très très important de pouvoir les soutenir, en fait, de pouvoir nous soutenir en tant qu'étudiants entre nous pour faire face à cette crise et ressortir avec un diplôme, parce que c'est ça qui est mis en danger cette année, et avec une vie plus ou moins stable. Alors j'aimerais simplement remercier tout d'abord les donateurs, celles et ceux qui nous permettent de pouvoir faire ces colis alimentaires et pouvoir les distribuer aux étudiants et à nos bénéficiaires. J'aimerais remercier aussi nos bénévoles. Nos bénévoles sur Mantajoli qui font un travail exceptionnel, qui nous permettent de pouvoir distribuer ces colis. Sans eux, nous ne pouvons rien. Donc un grand merci à nos bénévoles et un grand merci à nos associations partenaires qui nous permettent aussi de pouvoir collecter ces denrées alimentaires et ensuite de les mettre à disposition à ceux qui sont dans le besoin. Voilà, merci à tous. Aujourd'hui, chaque euro compte. Et c'est pourquoi, chez Human Appeal, on compte sur vous énormément. Pour que vous vous rendiez sur notre site internet humanappeal.fr et que vous réalisiez un don, ce que vous pouvez. Un euro ou plus, toute somme compte et fera la différence. Protect human rights.